Longitude 180. La chronique de la mer et des océans de Fréquence Terre, Daniel Krupka. Bonjour, les marées noires, on n'en parle plus. Les risques existent et les conséquences aussi. Mais aujourd'hui, je ne vais pas illustrer ce sujet. Et non, je laisse le soin à de jeunes chroniqueurs de vous faire découvrir les blessures qu'une marée noire a infligées quelque part en Bretagne. Ces chroniqueurs en herbe, dont je salue le talent, vont vous emmener dans ce voyage sonore intitulé « Écoutez jeunesse » proposé par l'association COEF 180, partenaire de l'association Longitude 181, lors du 40e anniversaire de la route du Rhum à Saint-Malo. Place à « Écoutez jeunesse ». Est-ce que t'es prêt ? Ajuste ton casque. Il y a le soleil qui scintille sur l'eau, là. Un soleil comme ça, un calme pareil, c'est rare. Certaines personnes, les vieilles Belle-Îloises, m'avaient dit un jour, c'est un jour donné. À Belle-Île, avec Étienne, vétérinaire à Belle-Île depuis 1981. Après la marée noire, en fait, je ne suis pas revenu sur la côte pendant plusieurs mois. Je voulais pas voir. Comme beaucoup de monde, d'ailleurs, hein. Il y en a qui pleuraient. C'est un très mauvais souvenir. Hein. Vous en reparlez souvent entre vous ou pas ? Pratiquement jamais, non. Nous, on a reçu près de 9000 oiseaux, je crois. Et il y en a moins de 100 qui ont été relâchés des mazoutés, ce qui veut dire moins de 10%. En France, il y a eu un peu plus de 30 000 oiseaux recueillis dans les centres de soins. Et il y en a moins de 300 qui ont été relâchés, 290, je crois. C'est rien. On les soignait, il fallait bien les soigner. C'est plus de l'affectif, mais c'est pas de la science qu'on a fait. Mais d'après vous, il aurait fallu faire quoi ? Rien ? Je crois que si on avait eu le courage, il aurait fallu les tuer à l'arrivée. C'est dur, hein, de dire ça. Hein. Enfin, pas tous, non. Il aurait mieux fallu mieux sélectionner les oiseaux qu'on voulait soigner et puis faire très très bien la chose. Quand on est submergé par 1000 oiseaux qui vous arrivent dans la journée, on est obligé c'est la médecine de guerre, quoi. On va au plus urgent et puis on y va à l'effectif. Un de mes bénévoles m'avait dit, parce que un gars très très bien, il s'appelait Lucien, m'avait dit non, moi, pour moi, ne serait-ce que de sauver qu'un seul oiseau, c'était faire un bras d'honneur à Total. Donc déjà, c'était ma victoire. C'est en effet la seule raison que je vois d'avoir fait ça, oui. Oui. Vous pensez que ça pourrait arriver à nouveau, une catastrophe comme l'Erika ? Oh ben ça va arriver, c'est évident, oui. D'ailleurs, 2 ans ou 3 ans après, il y a eu le Prestige en Galice. C'est exactement la même chose. Des pétroliers qui s'échouent, il y en a partout et on n'en parle pas beaucoup, parce que quand ça arrive sur une côte d'Afrique, tout le monde s'en fiche. Mais ça continue. Ça sent bon. Ouais. On a commencé comme bénévoles, on était des locaux. On habitait ici et puis il y a eu le drame. Benoît, 39 ans, a nettoyé les côtes pendant un an, bénévole, puis salarié d'une entreprise de dépollution, Le Floc, un sous-traitant de Total. Et le 25 décembre au matin, les nappes de pétrole sont arrivées avec le Père Noël. Une odeur tenace, infâme. Pas une odeur de pétrole, pas une odeur de station essence. Vraiment une odeur industrielle, de soufre. Le petit sentier qu'on emprunte, là, c'est un sentier qui a été ravagé par les tracteurs et par les 4x4 qui venaient récupérer le pétrole qu'on remontait à la côte. Et tout était noir, là ? En bas, c'était pas noir, non, c'était brun, rouge. La couleur du produit était un brun foncé, brun rouge. Bon, là, tu vois, et là, c'est beau. Là, on voit plus rien. C'est magnifique, ouais. Ouais, c'est la crique de Borderune, c'est ça, on y est. C'est là qu'on était à marée basse, à venir récupérer ce qu'on pouvait récupérer. Et Benoît, ça a mis combien de temps pour nettoyer cet endroit-là, la crique de Borderune ? Elle n'a jamais été vraiment nettoyée. On nettoyait ce qui était apparent, ce qu'on voyait pas, on le laissait là où il était. Il y avait toute une campagne de communication de la part, ouais, de Total, ouais, il y avait des hélicos. Ouais, Belle-Île a servi de vitrine. Ils sont arrivés, ils ont promis aux 4 communes de Belle-Île de rendre Belle-Île dans l'état dans lequel elle était avant le drame, à condition que cette communauté de communes s'engage à ne pas porter plainte. Et du coup, ils ont fait ce qu'il fallait pour Belle-Île. On a bien travaillé ici. Alors du coup, vu qu'on travaillait bien, les communicants de Total étaient là avec des caméras, avec des hélicos, et pour montrer un peu la grande armada et qui était partie en branle et qui allait tout nettoyer cette saleté d'Erika. Après, quand je suis parti de Belle-Île pour aller bosser sur le continent,
dans les criques, c'était plus vraiment la même chose déjà. Bah, l'effet média s'essoufflant, il n'y avait pas de raison de s'embêter à dépenser trop de pognon, à trop bien nettoyer. Et donc ? Donc on rejetait à la mer. Vous rejetiez à la mer ? Ouais. Et qui vous ordonnait de faire ça ? Les chefs d'équipe qui travaillaient dans... Le Floc, ouais, ouais. Cette entreprise, ouais, de qui travaillait avec Total. Bah, qui était sous-traitante Total, ouais. La dépollution en elle-même, c'était du cosmétique. Vraiment, c'était du cosmétique. C'est, on cache la misère. Après, les gens ne le voient pas, c'est pas un problème. Et puis, quand nous, on braillait, on s'est retrouvé au bout d'un moment en porte-à-faux aussi avec l'économie locale. C'est-à-dire que de dire ça, que les plages étaient polluées et tout ça, c'était prendre le risque d'avoir une saison... touristique mauvaise. Voilà. La population en elle-même a commencé à se fragmenter. Et... Donc, il fallait pas attaquer Total ? Bah non, certainement pas. Fallait pas attaquer Total, fallait même pas dire que c'était de la pollution. Vous venez d'embarquer à bord du voilier Écoutez Jeunesse. Un voyage sonore imaginé par Sadou, Lindia, Léa, Lino, Mathurin, Lorelai, Tanguy et Yuli. Et concocté avec amour par l'association COEF 180 pour le 40e anniversaire de la Route du Rhum. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.